Et c'est Thomas Koester qui est avec nous pour parler des enjeux économiques américains. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Pourquoi est-ce que le rapport américain sur l'emploi de vendredi est un rapport complexe et quelles peuvent être les implications pour la Réserve fédérale américaine dans la perspective de sa réunion des 21 et 22 septembre, Thomas ? Oui, alors un rapport de l'emploi en effet assez complexe puisqu'on a une enquête des entreprises qui était décevante. Hein. On a eu un ralentissement des créations d'emplois à seulement 235 000. Mais on n'a pas eu les mêmes signaux dans l'autre enquête qui est l'enquête des ménages puisqu'on a eu un taux de chômage qui a baissé donc à 5,2%. Et on a aussi, et j'insiste là-dessus, des salaires qui ont tendance à monter et monter plus fortement qu'attendu. Donc tout ça, mis bout à bout pour la Réserve fédérale, c'est un rapport de l'emploi complexe parce que certes, il y a une baisse de régime concernant les créations d'emplois en partie hein, liées au variant Delta, puisqu'on a vu notamment hein, les jobs dans la restauration finalement baisser, hein, être négatif. Mais on a quand même une poussée des salaires, on a des signes quand même que le marché de l'emploi est finalement beaucoup plus serré, beaucoup plus restreint, beaucoup plus tight qu'attendu. Ouais, dans quelle mesure est-ce que l'explication du variant Delta est une vraie explication plausible, Thomas ? Parce que alors, je ne savais pas, mais le BLS, dans le rapport sur l'emploi, enquête effectivement auprès des travailleurs. Et je crois qu'il y a une question qui leur est posée régulièrement depuis la pandémie, c'est est-ce que la pandémie, est-ce que le Covid vous a empêché de chercher du travail ? Et visiblement, on est quand même sur un nombre très faible de personnes qui répondent oui, le variant Delta m'a empêché de chercher du travail. Néanmoins, vous notez que dans l'hôtellerie, le loisir, la restauration, on est quand même sur une situation assez tendue. Est-ce qu'il faut déjà considérer que la force de travail en partie a été détruite de manière plus importante que ce qu'on imagine ? Est-ce que la fin des aides exceptionnelles au chômage là, qui prend effet à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, va permettre de débloquer la situation ? Est-ce qu'on peut avoir des convictions par rapport à ça, Thomas ? Alors, c'est assez difficile d'avoir des convictions et les économistes s'arrachent les cheveux, hein, notamment sur l'impact hein, des allocations chômage extraordinaires et leur impact sur le retour potentiel à l'emploi. Hein. Il y a des enquêtes, enfin, des études qui vont un peu dans tous les sens. Je noterai qu'en effet, hein, cette semaine, c'est la grosse semaine puisque ces allocations chômage extraordinaires vont arriver à leur fin. Donc, c'est une allocation fédérale extraordinaire de 300 dollars par semaine qui s'ajoute aux allocations chômage qui sont versées par les États. Donc j'ai envie de dire, en fait, on ne saura que dans 2 mois vraiment. Hein, il faudra prendre un peu de temps pour vraiment arriver à voir l'impact de ces allocations chômage. Mais en tout cas, du point de vue des entreprises, les entreprises veulent embaucher. Hein, tous les voyants sont au vert en termes de demande de travailleurs. Et ça, c'est plutôt le bon signe. Et je pense que voilà, on peut avoir quand même une transition quelque part douce entre la fin de ces allocations chômage et à mon avis on peut s'attendre à un retour à l'emploi, même si c'est vrai qu'il y a encore point numéro 1, le variant Delta et des craintes de certains employés, et point numéro 2, toujours des questions d'organisation personnelle, en particulier liées par exemple hein, aux écoles pour les enfants, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi un phénomène qu'il y a eu des travailleurs qui ont changé hein, de secteur de travail pendant la crise. Et ça, il va falloir un peu remotiver certains, réattirer, et ça peut prendre un peu de temps. Donc on a un risque que dans certains secteurs, il y ait de la pénurie et potentiellement un marché d'emploi qui soit dans certains secteurs un peu très tendu même. Bon, avec ce rapport, ces nouveaux éléments d'analyse du marché du travail américain, comment est-ce que la balance de la Fed peut évoluer dans la perspective de la réunion du mois de septembre, Thomas ? Oui, donc Jerome Powell, hein, le président de la Réserve fédérale, avait dit à Jackson Hole qu'il envisageait un tapering, donc une réduction des achats d'actifs d'ici la fin de l'année. Je pense que ce calendrier tient. Je pense que voilà, le mois de septembre, ça reste trop tôt hein, pour baisser ses achats d'actifs, même si je pense que les hawks, les faucons hein, de la Réserve fédérale, notamment les présidents régionaux de la Réserve fédérale, vont pousser pour être ferme sur le calendrier du tapering, puisque selon eux, hein, on a quand même marché, il y a quand même des indices qui, selon eux, mènent à un marché de l'emploi tendu, notamment les salaires. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont regarder de très près les salaires et le risque potentiellement inflationniste
si on a une boucle salaire-inflation. Mais aussi, voilà, hein, il y a une autre frange des membres de la Réserve fédérale qui inquiète par rapport aux bulles sur les actifs financiers et notamment au prix des maisons qui est en train de s'envoler aux États-Unis. Et bref, tout ça mis bout à bout, on a peut-être un message du président Jerome Powell qui sera plutôt prudent, mais derrière des membres de la Fed qui vont continuer à pousser pour enclencher ce tapering. Donc un tapering qui toujours, à mon avis, risque d'être annoncé plutôt vers novembre-décembre, même si voilà, maintenant j'ai plutôt un biais pour le mois de novembre. C'est pas un facteur, j'espère, principal, mais... Jerome Powell est en passe d'être reconduit. En tout cas, c'est ce qui semble être le consensus aujourd'hui. Je crois que Joe Biden doit s'exprimer. Il avait dit autour de Labor Day, il y aura peut-être une décision ou un signal envoyé par l'administration américaine pour indiquer qui sera le prochain patron de la Réserve fédérale américaine. Jerome Powell ayant toutes ses chances. Dans l'idée de sa reconduction, il faut quand même que politiquement, Jerome Powell donne quelques signes, quelques engagements à la frange la plus dure de son comité de politique monétaire et au Congrès également peut-être, Thomas ? Alors, l'inflation est clairement un sujet politique aux États-Unis, ouais. Donc il faut montrer la capacité de potentiellement resserrer le monétaire, en tout cas si voilà, ce risque inflationniste se matérialisait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues sur les marchés financiers. Et là, pour le coup, Jerome Powell fait un succès, hein, puisqu'il y a en effet le tapering, à l'inverse de ce qui s'est passé en 2013, quand il y a eu une réduction d'achat d'actifs de Ben Bernanke, qui avait mené à beaucoup de volatilité dans les marchés financiers et dans le marché obligataire. Là, on a l'impression que c'est plutôt finalement un phénomène très attendu, très bien communiqué. Et comme disait Janet Yellen, hein, c'est un peu comme regarder de la peinture séchée. La peinture séchée sur un mur, c'était Janet Yellen, effectivement. Alors, j'ai retrouvé la phrase, je crois que c'était au moment où la Fed resserrait son bilan. Hein. Ce n'était pas juste le tapering, mais c'était également la réduction du bilan de la Fed pendant quelques temps. Et c'est à ce moment-là que Janet Yellen a eu cette phrase. Ouais. Pardon Thomas, allez-y. L'expression s'applique à nouveau, en effet. On a vraiment l'impression qu'on applique de la peinture et on attend que ça sèche. Tiens, une question qui nous sort un peu des États-Unis, mais bon, la Fed est réputée pour être la banque centrale du monde, qui regarde évidemment dans son spectre d'analyse ce qui se passe ailleurs dans le monde. Est-ce que la Chine peut venir justement entraver un petit peu la peinture qui sèche sur les murs, Thomas ? C'est la vraie question. Il y a beaucoup de questions hein, concernant la Chine. Je pense que la première question, c'est d'abord le coronavirus et la politique très stricte de la Chine, hein, de 0,4 Covid, alors qu'on peut se poser la question si c'est encore potentiellement cohérent avec la politique industrielle de la Chine. Je rappelle que la Chine est intégrée aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Or, on voit que cette politique zéro Covid en Chine crée des remous dans les chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a un point évidemment sur la politique chinoise, notamment la fameuse politique de prospérité commune. Il y a un tour de vis notamment sur les entreprises chinoises. Et troisième point, il y a une question au niveau du marché immobilier chinois, puisqu'on voit qu'il y a un grand promoteur immobilier chinois qui a des déboires financiers à l'heure actuelle. Et je pense que voilà, ça mérite en effet de regarder ça de très près. Maintenant, au niveau de la photographie d'ensemble, la Chine est une économie stop and go, comme on dit, hein, où alors on a des resserrements suivis par des réouvertures, hein, notamment monétaires et budgétaires. Voilà, on est dans du stop and go. Je pense que voilà, on est peut-être dans une phase de stop, en espérant que le go ne soit pas trop loin. Merci beaucoup Thomas pour votre éclairage hebdomadaire sur les enjeux macroéconomiques américains, notamment. Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour les enjeux de cette semaine. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.